Je devrais regarder ça de plus près. Allô, Mora. Levioso.
non, c'est pas vrai. Lève-toi. Tout va bien à présent. Revelio. Je me demande qui vivait ici. Arrêtez mon maître.
réglé. Ne perds pas ton temps. C'est toi qui as libéré Treadwell, n'est-ce pas? C'était une erreur. Bombarda! Alors comme ça, tu sais te battre. J'ai bien peur que tu aies trouvé ton égal. Confringo! Je sais que tu maîtrises Expelliarmus. Mais je te garantis que tu peux être un talent pour un élève. Mais tu ne me battras jamais. Tu essaies de me surprendre, mais tu ne mourras pas. Les deux sauts. Action. Confringo. Revelio. C'est l'endroit que Sakarissa a indiqué. Mais où sont les bubobulbes?
C'est bien ma chance, un troll. Confringo ! Arrêtez mon maître. Quelle puanteur! Ah, par chance, il n'en reste que quatre. Revelio! Ça devrait suffire. Je devrais retourner voir Sakarissa. Confringo. Revelio. À ne pas vous faire mort. Yeah.
quelque chose. Lumos, bombarde. Allô, Omora. Le professeur Owen ne me croira jamais. Si je n'étais pas de corvée de gué. Est-ce possible? Une épreuve de mer. Réveillon!
Lumos. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. Thank you.
Velio. Allô, Mora.
Allô, Mora. J'ai déjà vu un beau truc se jeter sur des œufs de Doxy. Eh bien, un loup-garou. Réveillon. Non. Si tu veux mon avis, les jeunes d'aujourd'hui ne devraient pas apprendre de nectar. Réveillon. Expelliarmus!
Revelio. Vous avez toute ma gratitude. Oh, c'est vous! Oh, vous avez fait tellement de bonnes choses pour les habitants de Campolar en haut. Merci. Carissa, j'ai trouvé les bubobulbes dont tu avais besoin. Superbe. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je peux les voir? Bien sûr. C'était vraiment un plaisir. Merci. Tiens, ton paiement. Je vais pouvoir perfectionner mes potions pour prêter secours à nos pauvres camarades boutonneux. Après tout ce que tu as fait, nos camarades boutonneux et moi te devons vraiment une fière chandelle. Un jour, le monde des sorciers connaîtra mon nom. Tu auras participé à mon succès.
lever Lio. Tu es à moi à présent, demi-guise. Lumos. Revelio. 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 Lumos. Thank you.
Allô, Mora. Lumos. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention.
Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Lumos. Lumos. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Allô, Mora.
Launcher, ce hameau est vraiment plein de vie. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Rebelión.
Justin Willardsey vous a demandé de suivre ses papillons dans la forêt interdite. Allô, Mora. Pas retourner là-bas. Je peux faire quelque chose pour vous aider, monsieur... Hadley. Edgar Hadley. Et non, malheureusement, vous ne pouvez rien pour moi. Ah, ce Milo et ses idées folles. Milo ? C'était mon ami. Il y a quelques jours, il est venu me parler d'une soi-disant brillante idée pour gagner rapidement quelques galions. Il me suffisait de le suivre dans la forêt interdite. Si j'avais su qu'il voulait se procurer le venin d'une acromantule vivante... Pauvre Milo. Il ne méritait pas de mourir ainsi. Je suis vraiment désolée pour votre ami. Oh, merci. Rien que d'y penser, le corps de Milo gisant encore dans cette grotte avec la fugitive... La fugitive ? C'est ainsi que Milo surnommait l'acromantule. Il avait le sens du spectacle. Juste avant de mourir, Milo m'a supplié de prendre sa montre à gousset ancienne. Pour que sa fille puisse garder un souvenir de lui. Mais je me suis enfui. Pourquoi voudrait-on risquer sa vie pour du venin d'araignée ? Le venin d'acromantule est un ingrédient de grande valeur pour la fabrication de potions. En grande partie parce qu'il est impossible d'en obtenir sur une acromantule vivante, comme l'a prouvé ce pauvre Milo. Si j'ai le temps, j'essaierai de récupérer la montre ancienne, monsieur Hadley. Hors de question ! Si vous allez dans la grotte de cette acromantule, vous allez vous faire tuer ! Je vous en prie, oubliez ce que j'ai dit. Bon, où se trouve donc cette grotte d'acromantule ?
Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Revelio. Pas si compliqué finalement.
Lumos. Revelio. Ranrok et ses fidèles ne recommenceront pas de si tôt. Merci pour votre confiance. C'était un plaisir. Lumos.
Delio. Lumos. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Tu vas regretter. Roland. Allô, Mora.
Velio. Je vais peut-être faire un tour à Fell's Prop pour voir ce que je pourrais y raconter. Revelio. Il n'y a rien à raconter. On ne compte toujours pas pour lui. La grotte doit se trouver quelque part dans ce labyrinthe. Je me demande ce qu'il y a d'autre ici. Confingo. Revelio. Thank you.
Silvo. Ça pourrait bien être la grotte d'Acromantule dont parlait Monsieur Hadley. Je dois trouver l'héritage de la fille de Milo.
Je dois rapporter cet héritage à Monsieur Adler. Gobelin, petite peste. Personne ne regrettera une vermine dans ton genre.
Monsieur Hadley, j'ai récupéré la montre à gousset ancienne sur le corps de Milo. Par la barbe de Merlin, comment avez-vous ? En fait, je ne veux pas savoir. Je veux oublier cette acromantule à tout jamais. Merci. Merci infiniment. Je suis contente que la fille de Milo ait quelque chose pour se souvenir de lui. Moi de même. Même s'il avait des idées farfelues, Milo était un ami cher. Et il va me manquer. S'il vous plaît, acceptez cette récompense. Qu'avez-vous à proposer ? Milo peut reposer en paix maintenant que son souhait s'est réalisé et que sa fille possède un souvenir de lui. Un réapprovisionnement est toujours bénéfique. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Merci pour votre visite. Revenez vite.